Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Enfin, bonsoir plutôt. Petit live chill. Détente. On va pas se prendre la tête. On est tranquille. Un petit jeu, on va voir comment ça se passe. Petit jeu sympa. Très atmosphérique. De ce qui en a l'air de l'extérieur en tout cas. Et puis, ouais, voilà. Assieds-toi, prends ton plaid, prends ton chocolat chaud et puis kiffe, détends-toi. C'est un jeu tout simple, plateforme. Qui se passe. Il est sorti quoi, il y a 10 jours, un truc comme ça. Il y a une dizaine de jours, et puis ouais, je sais pas, il me tentait beaucoup, donc je me dis allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, on peut toujours essayer. Juste. Alors attends. Parce que ça me semble vachement fort par rapport à moi. Alors c'est moi qui suis très très faible au niveau de la voix. Donc je vais un peu la booster. Je compte pas non plus gueuler comme un fou. Voilà. Ok. C'est déjà un peu mieux. Puis on entend quand même le jeu, donc c'est ça, c'est cool. Ouais. Alors non. Alors en fait, j'aimerais juste. Je suis obligé de faire ça. Parce que en fait, j'ai joué genre 30 secondes ce matin. Pour le tester, mais apparemment on peut pas faire une nouvelle partie visiblement. Ça m'embête. Ouais, ça m'embête même plutôt fort. Je vais voir si je peux, en faisant start, faire une nouvelle partie. Alors, chargement. Yes, on va recommencer à zéro. Oh, on a rien. Rien de loupé de spécial. T'inquiète. Doucement, monsieur.
On en est sur le niveau du saut. Et je suis à fond. Je suis pas sûr qu'on tombe bien. En vrai, ça me saoule un petit peu. J'aimerais bien que le son soit un peu plus, plus présent. Zut. C'est un walking simulator, hein, basiquement, je pense. Donc, il y a déplacer, saisir et une autre touche. Et sauter, je crois. Ouais, voilà. Sauter, déplacer, saisir. Attendons, on va voir ce que ça donne. Voilà. De toute façon, j'ai le temps. Hein. Jusqu'à minuit, là, à peu près. C'est quoi? Je vais ranger les accoudoirs. Ok. Ok. Pas du tout combien de temps prend le jeu, donc on va voir. Est-ce qu'il y a moyen d'aller en profondeur, genre avant ou arrière, je crois. Déjà le jeu il est vachement beau, j'aime bien le style qu'il a. Yes. Alors c'est presque flippant. Hein. Comprendre. Ok. Bon, j'apprends, on sait jamais. Ok, yes. Putain. Ah, c'est quoi ça derrière? C'est quoi? Y'a des rats? C'est dégueulasse. Putain, en fait, ça fait flipper ça. Yo! Merde! On peut mourir? Bonsoir. J'ai pas compris. Est-ce que je... Attends. Donc, Donc, faut pas tomber. Ok. C'est déjà bon à savoir. Mais donc, si je vais en face... Je peux pas... Parce que là, le plancher craque. Et devant je peux marcher, il faudrait que je puisse passer là devant. Je comprends pas. En vrai ça me fait peur. Genre vraiment. Je m'y attendais pas. Mais il y a forcément un truc. Ah, attendez, attends. Ah mais descends de cette caisse. Emmène-la dehors. Non. Est-ce qu'il y a moyen de. Parce qu'en bas je peux passer en fait. Mais là le problème c'est que j'ai le. Voilà. Oh oui. Oh j'ai sauté. Ok, j'ai mauvais.
Il faut que je vous détaille. Oh, mais y'en a partout de ces saloperies. Ok, on continue. Oh, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans cet univers quand même. Ah non! C'est quoi ce qui me bouffe? Je comprends pas. C'est peut-être un peu fort là par rapport à moi. Un petit peu réduire, peut-être pas tellement. Ah ouais, mais là, du coup, je me suis coincé. Ouais, voilà. Oh là là! Je pensais que c'était un jeu de découverte et de on se déplace sans avoir de risque, mais en fait, c'est super chaud. Faut courir dans ce jeu, faut pas avoir peur. Ok, on fuit. On prend ça et on le bloque. Avant qu'il ne vienne. Ok, très bien. Et on continue. J'aime beaucoup en vrai l'ambiance du jeu. Vas-y, pousse. Détruis la barrière. Yes, ça j'ai compris. Cette espèce de... Comment on fait? Ok, yes. Non, descends. C'est des scarabées? Visiblement. Oui, j'ai eu un succès, visiblement. Invasion de scarabées. Alors, je sais pas ce que je fais. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Il y a plein de choses à faire dans ce jeu. Okay. Je vais quand même vérifier. Non, je vais voir en bas. Ouais, en bas il y a le truc, c'est ce qui me semblait. Il y a ça. Ok. Oh mon dieu, c'est un jeu énigme. Il faut mettre mon cerveau à l'épreuve. C'est mal barré. Bon, ouais, ça va le faire. Hop. Et hop. Et ça, ça fait quoi du coup? Ok. Et du coup, on redescend. Très bien. Oh, c'est la détente. J'adore. C'est pas encore trop compliqué pour mon petit cerveau. Ça devrait bien se passer. Et après, on re-ramène le truc ici. Et puis après, je sais pas ce qu'il faut faire de plus. On verra. Sûrement que c'est une plateforme. Je sais pas. Ok, yes. Je peux pas redescendre. Mourir si je saute de si haut? Ah, j'ai pas envie d'essayer. Et oui, je meurs. Ok. On refait ça vite fait. Je me demande à quoi sert la botte de paille en fait. Ça intrigue tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce bidule? Très bien. Ensuite, on réactive le levier et on fait venir le machin vers nous. Ah, peut-être qu'il faut que je redéplace. Attendez. Peut-être qu'en fait, faut pas que je remonte. Bah, si, je suis obligé de remonter. À moins que. Attends. On va faire travailler les ménages. Non, là, y'a rien à faire. Oh là, je suis déjà face à une difficulté technique. Alors que le jeu est lancé depuis 10 minutes. Un plaisir. Allez. Donc je ramène ça ici. Et avant qu'il arrive, je pars. Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et après, genre, je fais ça. Et si je le renvoie, il se passe quoi? Ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire. On va essayer.
n'existe pas. Là, je vois un truc rouge aussi. Est-ce qu'il faut que je tire la... Attendez. Ah, pousse-toi. Faut que je... peut-être que je tire la trappe. Bonsoir, bonsoir, il y a du monde. Pour une fois. Mais pour une fois, rien ne plante. Ah oui, j'ai été trigger hier soir, hein. Laissez tomber. Oh, le jeu Minecraft qui voulait plus marcher. Et en plus de ça, ce matin, tout mon port USB ne marchait plus. Alors pourquoi il remarche? Je sais pas. Pourquoi il marchait plus? Ben, je sais plus non plus. Et du coup, il me faut un truc cool où tu réfléchis un petit peu, mais où c'est tranquille, parce que sinon, je vais devenir fou. Pour l'instant, tout fonctionne, donc c'est plutôt plaisir. Je comprends pas ce que je suis censé faire avec cette boîte. Visiblement, il faudrait que je m'y accroche. Mais genre, une fois que je m'y suis accroché, je fais quoi? Je suis déjà coincé. C'est terrible. Ah, dommage. Parce que vous voyez, dès qu'il y a un truc rouge, en fait, c'est que normalement, on doit pouvoir interagir avec. Mais j'avoue ne pas comprendre forcément. Putain, c'est que le deuxième truc du jeu, j'arrive déjà pas à comprendre la mécanique du truc, ce qu'on fout. De toute façon, j'ai une boîte de paille. Que je bloque le levier? Non. Dans l'autre. À moins que... Attends. Il veut plus. Il boude. Ouais, non, je sais pas. C'est bizarre. Bon, en vrai, ça me sert à aller là-haut. Ça, on a compris. Mais ça, il faut que je comprenne à quoi ça me sert. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps de m'y accrocher pendant qu'il part? Peut-être, hein. Vas-y, hop. Yes. J'ai trouvé. Ok, cool. Je pensais juste pas que j'avais le time. Mais c'est cool, du coup. Oh, et le son qui est si fort. Voilà. Vous allez crever des tympans, sinon c'est pas la peine. Vous allez juste douiller. Il faut que j'enlève ce lunette, elle m'embête. Donc, alors là, il n'y a rien. Oh putain! J'étais en train de vouloir gérer. Mon dieu, c'est quoi cet enfer? S'il vous plaît! À quel moment c'était précisé que ça faisait ça? Horrible. Un caillou. Il brille. Ce qui va m'aider. Je ne sais pas. Ah, au secours. Mon dieu. Quel enfer. Bah oui, je détente, ouais. C'était censé l'être à la base. Ça avait l'air beau et tout. De ce que les trucs montraient, les... Comment t'appelles ça? Les... Ah, flûte. Putain, les trailers, ça avait l'air d'être un jeu tout beau, tout mignon, tout détente, avec un peu de puzzle, il fallait avancer, pas un truc avec un jumpscare à la con, avec des scarabées géants. Putain, ça me rend ouf. Regardez, c'est tout beau. Ce jeu a pas de raison de vouloir me faire du mal, je comprends pas. La prochaine fois, je jouerai avant. Mais si je joue avant, j'ai plus la surprise du jeu, du coup c'est pas drôle. Oula, c'est quoi ça? Y'a Gollum. Oui, la pression. Je pense qu'il fout là, hein. Mais il est là. On continue. On va glisser là. Ouais. Oui. Il flatte. Oh putain, y'en a pas qu'un. Oh my god.
C'est très beau, mais à la fois très bizarre. Je sais pas si je me sens bien ou si je me sens pas bien en fait. Voilà, faut. Ah! En fait, j'ai peur de mourir à tout instant. Le jeu est très beau, j'adore l'ambiance en vrai. C'est super cool. Quoique le jeu se vendait pas du tout comme étant un jeu qui faisait peur ou quoi, ça se vendait justement comme un jeu atmosphérique, détente, tout ça. C'est un mélange entre un gollum et entre un gollum et un anorexique. C'est très bizarre. Je suis sûr que si je sors et me bouffe, on est d'accord. Donc je reste caché. Et il repart. Je peux y aller du coup. Ouais, je peux y aller. Oh, j'ai compris le gameplay du jeu, c'est incroyable. Je sais pas du tout combien de temps prend le jeu par contre. Je me suis dit jusqu'à minuit, ça fait 4 heures pour un jeu indé. Ça me paraît déjà pas dégueulasse. Prêt à voir. Combien de temps il pourrait prendre nous dans les bois? Nouveau succès. Tu m'étonnes. Ouais, j'aime beaucoup la DA. Bah, alors. Ah, monte. Qu'est-ce que tu fais? Ah, attendez, je suis un peu con. Voilà. Ça fait peur. Ça va. En vrai, ça va. J'ai deux autres jeux qui sont eux vraiment des jeux d'horreur, donc c'est marqué dedans. Lui, ça va. En fait, il n'y a pas de vrai screamer, vraiment, si tu fais gaffe. Du coup, ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais peut-être pas me montrer parce qu'il est encore là. Je sais pas ce qu'il fait, il creuse. Le gollum, dans son habitat naturel, creuse des trous dans la terre afin de dénicher du bon poisson. Ouais, je pense que je peux y aller. Pire, il me sautera la gueule. Hein. Oh. En vrai, ça va, c'est pas vraiment. Ça fait pas si peur. C'est pas. Ne panique pas, t'inquiète, ça va aller. C'est juste moi qui m'attendais vraiment à un truc full détente, et là t'as un scarabée géant qui te saute au cul, t'es en mode. Ouais. Faut que j'avance ou pas là? Je suis pas vraiment sûr en fait de moi. Que dit le script? Ok, il repart en courant. Oups. Je reste dans l'ombre. L'ombre, c'est bien. Attention. Il repart pas, il repart pas, il repart pas. J'espère qu'il fait pas demi-tour en mode je regarde là-bas, puis je reviens. Ah bah si, j'en étais sûr, putain. J'allais me faire bouffer. J'adore l'ambiance que le truc il a, c'est génial. Ok, on y va, go, 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 dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Il m'a vu! Oh. Maniaquer le bout des orteils. Sale bête. En vrai, faut que je parte dès qu'il tourne le dos, en fait. Parce que sinon, j'ai pas le temps. C'est vraiment calculé au pixel près. Genre, là, je pars. Go, 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 go. Il me voit plus. C'est bon. Voilà. Tu vois, tout va bien. Pas de problème. Et là, je sais pas où faut que je vais. Probablement. Il va vachement en hauteur. Il va me sauter devant, je le sens. Je sais pas pourquoi je le sens. Ouais. Non. Ok. La musique est toute douce, je sens que ça va bientôt péter. Hein. Genre il est au coin là, c'est obligé, il est au coin du truc. Exactement, vous en êtes sûr. Hey, je connais les codes. Oh mon dieu, et je passe comment là? Mais jamais je passe en fait là. Il me tourne le dos ou il me fait face? Je sais pas. Comme c'est qu'une silhouette, je sais pas même pas s'il me tourne le dos ou pas. Ouais. Il va se retourner, je peux pas passer. Mais d'accord. Ça me semble. Je vais attendre qu'il reparte. Qui va aller là-bas, puis après il va faire son délire jusqu'au bout, puis je vais repartir. Ça va sinon?
chez vous, comment ça se passe? Go, 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 mais cours, mais cours, mais cours. Oh putain, ça va passer loin. J'étudie d'abord le pattern avant d'avancer. Je suis quelqu'un de très très fébrile. Ok. Ok. Ah, oh, je le sens pas. En vrai, j'ai avancé, je vais me faire bouffer. Ouais, j'en étais sûr. Oh, cette musique, on peut plus. Putain, mais il va où? Oh non, me dis pas qu'il va falloir que je passe dans son dos en scred. Non, c'est bon, il se barre carrément. Non, c'est bon, il a l'air de se barrer carrément. Ah, il y en a. Ah, mais il y en a. Ah, d'accord. Mais en fait, il y en a plein. Par contre, c'est joli. Ça, je pense que c'est des anciennes pierres. Ah ouais, d'accord. Ils adorent la pierre, en fait. Sur le dessin, c'est marqué. Il y a un dessin de divinité. C'est bizarre. On dirait qu'il y a une espèce d'ancienne religion. En scène cité antique, il y avait des monolithes dans plusieurs univers. Et que ces créatures vénèrent le monolithe. C'est sympa. Je suis très curieux de voir jusqu'où ça va nous mener, cette histoire, mais... La détente, elle est pas trop présente, là, pour l'instant. Il y en a un dans la flotte! Ok, il me tourne le dos. Mec, t'es con ou quoi? Faites pas tomber des cailloux! Oh là là, j'ai failli sortir de mon tronc d'arbre. Ah ouais, en fait, il y en a clairement plus qu'un, en fait. C'est quoi? C'est des gollums qui vénèrent un caillou? Ok, ouais, très bien, je continue. Je fonce, je réfléchis pas. Là, il y a un gros tronc où on peut se cacher derrière, c'est qu'il y en a un qui va apparaître, genre. Maintenant. Ah non. Je peux continuer dans la forêt. Je sais pas pourquoi je sens qu'à la fin, on va tomber sur un géant ou un truc comme ça. Une de ces créatures en version gigantesque. Ok. Et ça recommence. Oh, en vrai, j'adore. J'adore l'ambiance que ça met. C'est vraiment trop bien. Ça fait pas vraiment peur, c'est plus en mode petite tension, fantastique un peu. Fantastique, on sait pas trop ce qui se passe. En fait, c'est vraiment, je trouve, c'est proche du fantastique littéraire. On est vraiment dans le doute, en mode qu'est-ce qui se passe. C'est certainement un truc humain, mais c'est pas humain. Et j'aime beaucoup. En plus, le gameplay est hyper simple, c'est genre, tu fonces à droite ou à gauche, et puis tu fais des actions. Mais j'aime bien. Oh non, ça pue, ça. Il y en a un qui va sortir de là. Faut rentrer dedans. Oh, j'ai été malin. Oh my godness. Ah, des fois je me félicite, hein. Je suis parfois très con, mais parfois j'ai aussi des sursauts de... des sursauts d'intelligence. Il y en a un autre qui creuse là-bas. Gratte, gratte, gratte dans l'herbe. Alors j'attends un moment, il va se retourner. Peut-être qu'il se retournera pas s'il creuse. Doucement. Oh merde. Je fais du bruit dans l'eau. On a un droit temps. J'ai entendu dans mon casque. Ok. Je le sens pas du tout. Je sais pas pourquoi. Vas-y, go. Cours. Cavale. Réfléchis même pas. Ah, y'a de nouveau un dans l'eau. Je crois. Ouais, y'en avait un dans la flotte. Et puis là, pouf, au creux de l'arbre. J'en étais sûr. Vas-y, tu sais quoi? Il va avancer vers nous. Peut-être pas, non. Il va nous tourner le dos, il va revenir. Je sais pas, j'attends de voir ce qu'il fait en fait. J'ai pas envie de me faire manger. C'est plutôt ça, j'attends. Je crois qu'il bouge plus. Ah si, il bouge. Ouais, j'attends qu'il soit tendu. C'est intéressant.
Pourquoi la musique elle sent mal là d'un coup? Oui, la glissade. J'en entends un qui marche devant nous. Bah monsieur, qu'est-ce qui vous prend? Bah voyons. Bah faut que je saute là. Faut que je tombe dans le trou. Oh. Je peux descendre. Est-ce que je dois descendre? Je sais pas. Oh. J'ai pas compris ce qui c'était ce truc. Mais ça, je peux le prendre là par terre, ce qui brille. Oh ouais, y a un caillou. Oh, j'ai compris. Attendez. Ça faut que je balance où ça? Alors pas par là. Visiblement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le lance derrière? Elle est con. Mais je vais pas comprendre. Je vais mourir. Bah oui, forcément, espèce de dieu, tu sautes de la falaise. Bon, déjà, là, il y a un truc avec le caillou. C'est marrant, parce que... Ah d'accord, donc maintenant, il glisse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon jeu a décidé d'être cassé, en fait. Attendez. Bah alors. Je vais passer là-dessus parce que visiblement il fait la gueule. Donc ça. Ok. Alors, c'est peut-être que l'endroit ici a l'air d'être un peu fucked up. On verra. Hein. Je suis curieux de voir pourquoi il y a un caillou par contre. Parce que le caillou, je peux clairement le ramasser, mais je peux pas l'utiliser. Est-ce que je me suis bugué? Alors, j'ai l'impression que je me suis bugué comme un caca. Attendez. Parce qu'elle veut plus marcher droite. On va essayer de faire. Recharger. Ouais, c'est bizarre. Je retente en relançant. Yes, ça a déjà l'air mieux. À mon avis, il faut lancer le caillou en bas et sauter. Et le plouf, en fait, ça va l'attirer. C'est ça. Putain, je suis trop fort. J'ai pas sauté. Putain. Dégueulasse. Mais bon, je peux repartir sur ma manette. On va réessayer. Yes, il faut que je saute. Juste que je pensais sauter, c'est tout. Et tant pis pour le caillou magique qu'il y avait en bas, moi je me casse. Mais vu où j'en suis dans le jeu, il a l'air d'avancer assez vite parce que j'ai l'impression d'être déjà un bon tiers. Donc je pense pas que j'en aurai pour jusqu'à lui. Ça devient de plus en plus compliqué et que je deviens nul, mais. Le bruit qui court, c'est que c'est déverrouillé. J'adore. C'est trop bien. Trop bien. Ouais. Il fallait que je monte en haut. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Et là, je peux? Ouais, je peux. Il reste dans ton tronc d'arbre, t'as raison. Bon. Me dis pas que tu vas fouiller dedans, s'il te plaît. Je respire plus. Ah, si, Yves.
c'est bon, tout roule. Oh, y en a un au loin. Je sais pas ce qu'il fait. Ça a l'air de brûler là, non? C'est des cendres. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh, ils ont l'air énervés. Hein. J'ai l'impression que la forêt est en train de brûler. Je sais pas, hein, peut-être, mais... Ok. Si, si, c'est ça, la forêt est en train de brûler, du coup, ils vont être encore plus énervés qu'avant. C'est pas bon signe pour moi, ça. Dans le tuyau. Oh la musique, j'adore, c'est trop bien. Oh c'est génial. Oh si c'est full détente, full atmosphérique, j'adore. Je suis en full kiff là. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il avance tout seul? C'est pas le moment. Ah, c'était prévu, ok. Ça avait l'air d'être scripté. Il me colle aux fesses, il me colle aux fesses, il me colle aux fesses. Ok, je m'en fous de ma fumée. J'ai pas compris. J'adore. Oula. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Ouh, le live, il a eu un problème, il a eu du mal. On dirait. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça rame à fond là ou c'est moi? Non, ça rame plus? Si, ça rame, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une chute de FPS sur le live, pourtant je suis en full bon débit et tout. Peut-être trop de particules à l'écran. Bizarre. Putain, mais il y en a encore. Ah, mais ils sont en feu. Ah, mais tout a brûlé. Je comprends pas trop là. Putain, mais c'est bizarre, mon live il est totalement en train de ramer du cul d'un coup. On peut plus, qu'est-ce qui se passe? C'est normal? J'ai pas fait gaffe. Ah, attendez, deux secondes. C'est trop bizarre. Non, c'est bon, moi je suis nickel. Achoum. J'ai pas compris du coup ce qui vient de m'arriver. J'ai pris une volée de flèches, c'est ça? Il y a une attaque. Ah oui! Ah merde! Bah vite, 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 vite en fait. Oh. Oh, il retire. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Bonsoir, toi. Ok, on part vite. Avant qu'on s'en reprenne une dans la... Oh putain, on s'en reprenne dans la tronche. Vite, 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 vite. Je vais la bouffer. Non, c'est... Oh, j'adore. Oh, et la BO, elle est incroyable. Je suis juste en train de kiffer en fait là, basiquement. Ouais, non, j'aurai pas le temps. J'attends de la fin de la salve et je pars direct dès qu'elle a atterri. Sinon j'aurai pas le temps de... Oh, c'est beau. C'est beau et en même temps il y a un côté un peu déprimant. Fin du monde, c'est mélancolique, j'aime bien. Oh putain. D'accord, ok. Il n'y a plus de cachette là. Ah si, d'accord. Non, 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 planque-toi en dessous. Oui, très bien.
lâche ça. Mais lâche-le. Bon, j'arrive pas à le lâcher. Pour l'instant, je le protège et je vais continuer à courir. Oh! Ok, pas le choix, faut courir. Industrie maintenant. Plus vite. Ouf, je me suis mal abattu. Ah putain, d'accord. Ok. Ça. Et je me casse. Un, deux, trois, et je me casse. Ok. C'est tout juste, mais ça passe. Ok. Je suis à l'abri maintenant. Bâtiment qui révèle les flèches. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je suis en full kiff. Je vais mourir? Ah bah yes. Non. Peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? La fin du niveau. Oh. Ok. Ça m'intrigue, mais en même temps, ça me... Ok, ça, je peux le bouger. Bref, elle a de la force, quand même, pour déplacer un hôtel de pierre brute. Mais, pourquoi pas. Ma foi. Pourquoi pas, pourquoi. Je vais quand même voir ce qui s'est passé ici, parce qu'il y avait un écran... Comme si tout était devenu noir. Bon, c'est qu'il y avait une raison. Très bien. J'adore. Okay. On va commencer à... Oups. Oh, oh. Oh. Ah non, il y a des scarabées dans les pots. Ok. Note à moi-même de ne pas casser les pots. Bon, la pierre, ça devrait pas se casser si vite. Enfin, je dis ça, la planche sur laquelle je viens de me poser vient de se casser. Mais bon. Faut que je saute dans le trou et ça va me tuer du coup. Si c'est le gars des scarabées, je sais pas forcément. Forcément envie d'aller là-bas quoi. Faut pas jouer, faut faire quoi? Ok. Non, fallait pas jouer. D'accord. Putain, c'est quoi cette ancienne civilisation? Je tombe sur des Atlantes ou... Tout ceci m'intrigue. J'arrête de coincer ici. C'est
peut-être par là qu'il faut que j'aille. Je sais pas. Ouais, c'est par là qu'il faut que j'aille. Et après, j'emmène ça de l'autre côté. Très bien. C'est très beau, très minimaliste mais très beau, j'aime beaucoup. Hop. Hop. Très bien, très bien, très bien, très bien. J'ai toujours pas mon aim. Je sais pas non plus s'il y a un danger quelconque ou quoi que ce soit qui puisse nous attaquer là où je me trouve. Il y avait des bouches d'aération aussi à l'antiquité vive. Oh merde. Ça fait quoi ça? J'ai compris. Non. Aïe. Fuck. Dommage. Allez, on réessaye. Allez, bonk, la bouche à aération antique. Ensuite, on prend ça et on court vers l'autre côté. Hein? Mais si, mais c'est censé. Dommage. Je sais pas, en fait, comme c'est pas sur le même plan, je pensais que ça le tenait pas, mais en fait, ça le tient. Attends, par contre, tout est géré au millimètre près, quoi, au poil de cul. Faut vraiment pas se foirer. Ok, yes. On se barre de là. Nickel. Ça va très bien. Tout ceci se passe. Putain, c'est quoi ça? Ça pue ça. Allez, cours. Non, réveille-toi. Cours. Plus vite. Ah oh, putain, on est dans le monde des engrenages. Ok, yes, et après. Oh. Ok. J'ai pas compris. Fallait que je fasse quoi après une fois que j'étais sur le caillou? Genre que je saute de l'autre côté. Alors oui, il faut que je saute de l'autre côté sans mettre les pieds dans les pics. Ça serait mieux. Terrible. Ouais, c'était ma tête. Mais pourtant ça me gicle quand même, je comprends pas. Ouais, cette musique qui te fout dans la PLS. Terrible. Oui, j'ai compris que ce truc il allait me buter. J'ai aussi compris qu'il fallait que je saute par-dessus avec le petit caillou là. Oh yes, j'ai réussi. Et après? Oh, fallait courir dans l'autre sens parce qu'il va nous recoller au cul. D'accord. Oula. Ça passe. Non, ça passe pas. C'était passé. Oh, je te jure. Ça. Oula, je suis tombé pas comme il faut aller là. Ça joue tellement au poil de fesses. Hop. Et hop. Et on repart dans l'autre sens. Vite. Y'a pas le temps. Cours. Astérixme. Cours. C'est bon. Ah, en plus, ça a brisé le truc, il y a une mode, les vieux scarabées à la con qui sont sortis là. Hop.
fait, la meuf, c'est à moitié Tomb Raider, à moitié Journey, c'est particulier. Mais c'est pas... Okay. Elle est juste pas tombée par terre. Oh non, ça, ça pue nouveau, ça. Mais j'ai rien. C'est quoi, ça? Ça fait quoi? Ok. D'accord. On est au fourneau. Très bien. Aller avant qu'ils attirent. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut que je... Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce que je peux ramasser des cailloux? Je peux ramasser un caillou? Non. Très bien. Du coup, ce que je me demande, c'est... Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'attende qu'il me voit sans que j'aille sur le cahier? Genre là, il me voit? Genre là, il me voit. Genre là, je pars. Là, je l'ai brûlé. Là, je suis malin. Maintenant, là-dedans. Là, par contre, peut-être que j'essende de la plaque chauffante, sinon je pourrais pas avancer. Ok, vas-y. Très bien. Ça active quoi, ça? À tous les coups, ça va activer les... Attends. Mais... Oh. J'en étais sûr. Brûlé. Ah, bande d'enfoirés. Non. Ah, quel enfer. Ok, on se barre. Lâche ça. Cours, 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 cours. Oh, j'ai déjà les pieds dedans. Non, non. Je peux partir assez tôt. Non, non. Aïe, 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 aïe. Terrible. C'est pas simple. On commence. Oh putain, mais j'ai ma chaise qui queen. Et là, ça pète. Et là, on fuit direct. On réfléchit même pas. Vas-y, cours, 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 cours. Ah, mais sauf que je vais brûler avec moi. Putain, comment je pourrais faire? Je peux la traverser sans que... Tu dois courir sous le mur. T'es sûr? Parce que le mur, il est pas si ouvert assez longtemps. Ah si. Ah putain, ouais, c'est pas con. Ils sont passés. Oh putain. Oh, merci. En fait, moi, dans ma tête, j'ai pas du tout vu que le mur se surdescendait pas assez vite. Enfin... Si, suffisamment lentement pour que je puisse passer. J'étais en mode, mais faut que je les brûle, faut que je les brûle. En fait, non. Ça sert à quelque chose d'avoir des gens qui te regardent. Okay. Ah zut. Il s'est plus saut. Et tu vas apprendre à sauter, oui. Parfait. Ah, ça va casser, ça. Ça, je le vois à des kilomètres que ça va se casser. Bon, ça va. Ça va, ça va. Oh, qu'est-ce que je vais activer encore comme saloperie? Oh, 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 fuck, fuck, fuck. Fuck. Quoi? Non, non. Oh, c'est bon. Ok, je les esquive juste. Oh la vache. Je vais me mettre de rien. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah. Oh, le réflexe du saut. Oh, quel génie! Ah, c'est Mario, en fait, ça. C'est un niveau de Mario. Hop, hop. C'est un des donjons, un des donjons dans Mario. Je sais plus, dans Mario Bros, sur... Attends. Oh. Comment je fais, là? Ok, ok. Ah, trop court! Dommage. Ok, 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 ok. Oh, en vrai, c'est Indiana Jones, hein, ce truc. Indiana Jones mélangé avec du Tomb Raider, mélangé avec des trucs un peu fantastiques, conneries. J'adore, c'est trop bien. Par contre, faut vraiment que j'arrive à... Hop. Et hop. Et j'attends. Et j'attends.
Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Je vais me faire écraser. Ah ok. Je suis écrasé. Putain. Oh, tout se joue tellement au poil de fesses, c'est incroyable. Oh putain, rien que ce saut déjà. C'est abusé. Allez hop. Ça fait une heure. Une heure que je stream. Je sais pas à quelle heure ça finira. Oui, 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 oui. Mais putain, avant t'es monté plus vite, pourquoi? Fatigue un jeu. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas fait la flèche vers le haut. Ouais, ça peut être ça. Ça peut expliquer le petit souci. On retente. Yes. Ouf. Oh mon dieu. En vrai, pas en stress, mais j'ai les mains qui se moitifient sur la manette là avec leur. Avec l'ambiance du truc et tout, ça me fout en plein dedans. Hein. C'est génial. Je suis à fond. Au moins, il n'y a plus de jumpscare et de screamer à la con, truc hein, qui fait peur comme au début. Pour moi, c'était ça le jeu, tu vois, des énigmes et des trucs un peu en mode. Ah, ah non, j'ai pas couru. Je suis mort ou c'est la suite? Tu sais pas avec ce jeu, des fois c'est pas la suite, des fois tu meurs. C'est la suite. Si, oulala, on arrive dans le volcan. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau quand même. Radio. Alors, faut que je fasse quoi? Il y a une torche. Il y a du feu. J'ai une torche avec du feu. Je mets le gaz, je mets le feu aux poudres, je fais quoi? J'allume le. Ok. Et après? J'active les choses. Oula. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mon dieu. Oh mon dieu. D'accord. J'ai compris. En fait, il continue de tourner tant que je le lâche pas. Donc si je veux le lâcher, je le lâche maintenant. Pareil pour le deuxième. Zut, trop tôt. Quel... Oh my god, ça a l'air tellement plus ouf que ce qui était censé être prévu à la base. C'est génial. C'est bon, je kiffe de ouf là. C'est incroyable. Oh, la BO, la musique, la musique. C'est trop trop. Prendre le rocher. C'est évident qu'il va au bout là, parce que je peux pas monter. Ok. 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 Et là, on fait attention, on se pète pas les genoux. On descend. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le pont va casser. What the fuck? J'étais sur le... Oh, ok, fallait juste que je fuis tout court, en fait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a un tentacule? Il y a un tentacule géant, juste comme ça, pour le plaisir. Oh là là, c'est trop bien. On dirait même pas un tentacule, on dirait une espèce de mandibule. Oh, c'est la Moria! C'est un balrog mais avec des tentacules. Ah oh, putain, y en a pas qu'une, hein. C'est un kraken balrog. C'est génial, j'adore. C'est trop stylé. Dangereux, mais trop stylé. Ok, maintenant je fais quoi? Hop. J'hop. Oula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 l
mon dieu. Au secours. Au secours. C'est à la fois stylé et un peu angoissant. Sans être au pour autant. C'est très bizarre. Ok, on est dans le monde du poulpe. De ce que dit le caillou, c'est le monde du poulpe. Vas-y, barre-toi. Oh la vache. Oh merde. Écrabouillé. Ah putain, alors celui-là, je m'attendais pas à ce que ça se passe pile au moment où je passe en dessous quand même. Aplati telle une crêpe. Vas-y, j'attends que ça bouge du coup. Va pas reproduire les mêmes erreurs. En fait, j'aurais largement le temps de passer là. Je peux plus sauter. Non, quel idiot. Oh là 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 là. Ok. Ah, du coup, je me suis mis dans la merde tout seul là, en attendant. À attendre que ça passe. Oh là là. Oh mon dieu. Sauf qu'il y a beaucoup plus que 3 tentacules en fait. J'ai l'impression là d'un autre monde à tentacules. Où est-ce qu'il m'emmène? Où est-ce qu'il m'emmène? Non. Non. Oui. Non, 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 non. Ah, je suis tombé. Du coup, j'ai 100 fois le temps de passer, donc j'ai passé. Ah non, mais du coup, j'ai plus le temps. Ok, j'ai activé le... Ok, j'ai... Merde. J'ai activé le script plutôt. Oh mon dieu. J'aimerais bien débriefer du jeu après quand je l'ai fini. Avec les gens présents. Non, non. Ok. Faut vraiment être tout à l'opposé quand ça commence à glisser. Quoi? Parce que j'ai touché le bout du poil du tentacule, il m'a tué. Ok. Pas de soucis. Non, j'ai pas sauté. Au secours. Oh là 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 là. Il est beaucoup trop proche à mon goût. On gagne du temps, gagne du temps. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Vas-y, 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 vas-y. Yes. Bon, j'ai accès, je me casse. Oula. Oula, là, il arrive vers moi. Ah, cours pour ta vie, petite femme blanche. Oh, la manette, elle part cool, mon steak. Oh, c'est là. Ok. Ok. Putain, encore une fois, c'est très beau. Je suis sûr, on va se taper un Yeti ou un monstre des neiges, une connerie comme ça. De toute façon, il y a une forêt. Dès qu'il y a une forêt, il y a des bestioles bizarres. Avant, il y avait des espèces de gollums chelous qui, dès qu'ils me voyaient, me sautaient dessus, me niaquaient les pieds. Grignotaient les orteils. Je suis sûr qu'il y a une bestiole chelou là. Il y a des grands escaliers et tout, c'est obligé. La pierre, elle dit quoi? Un dragon. Pas très bien. Enfin, c'est pas un dragon. Mais en fait, c'est-à-dire que je vais pas dans la neige, moi. Je reste sur mon caillou, il peut pas creuser en dessous.
Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Il y en a pas qu'un. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Oh, j'ai envie de faire un film sur ce jeu, je te jure. Oh, ça passe tellement à rien à chaque fois. Je vais attendre qu'ils repartent là. Espèce de ver des neiges. Ouais. Go. Oh merde. Ah putain, il... D'accord. Ils sont rapides, hein. Attends, vraiment qu'ils soient à l'opposé de moi. Et je cours, 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 et je saute. Ok. Ça passe. Je m'attends juste à tomber sur un tout fat à un moment donné. C'est une de ces saloperies en version géante. Je sais pas pourquoi. Déjà avant, avec les espèces de petits bonhommes gollum moches bizarres, quand on a une version géante qui aille te bouffer d'un coup de mâchoire et te manger en entier, tu vois. Je sais pas. Ça me... C'est possible. Je vais me péter les jambes là, non? Ah, presque. Madame, tu fais des choses un peu risquées. Oh, il y a un pic. Ok. Comment je suis censé prendre ce truc? Je comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse. Genre. Ouais. Mais le pic rouge là-bas, faut pas que je l'attrape. Il y a un truc à faire avec, non? Visiblement peut-être pas. Ah, j'ai pas sauté, zut. Allez, au revoir. Ok, on y retourne. Oh, mais c'est... Oh, c'est... Ouh, c'est... Ouh, ça va m'énerver, ça. Ouh, la 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 la. Oh, putain. Mais... Oui, ma manette, elle fait du vert. Je peux l'éteindre. Je peux la mettre en mode vibreur. Je peux la mettre en mode full vert. Par contre, ouais, juste saute quand je te le demande, en fait, s'il te plaît, Ghislaine. Ça m'arrangerait un peu, si tu crèvais pas toutes les 5 secondes. Oh, le pont en bois, c'est pareil, je le sens pas, mais bon, pour une fois, il tient. Parce qu'avant, les ponts en pierre eux-mêmes, même les ponts... Oula. Même les ponts de pierre tenaient pas, donc bon, tu t'étonnes que je commence à me méfier de tout. Oui. 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 Ah, il voit ces saloperies de lézard de neige vers de terre de neige là. Il se balade où ça va? Sur l'autre côté, vas-y, je cours vite sur le tronc d'arbre. J'ai dit vite sur le tronc d'arbre. Ok, tous goupillent. Ok. Faut que je monte dans le truc là, c'est ça? Et après, il y a un canon en haut. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un machin tibétain? C'est probablement du Tibet. Truc raciste. C'est du bois dans la montagne avec de la neige, c'est tibétain. C'est tibétain. Il y a une plateforme. Là, il y a un machin. On étudie le truc. Hein. Et. Genre.
Ah, trop bien, ça les fait fuir. Ah, génial. Du coup, faut que je fasse quoi, moi? Ah, oula, 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 oula. Il faut que j'aille sur la plateforme, elle va descendre. Ah ouais, oh, c'est trop bien. En vrai, c'est trop cool. Ah. Yes. Oh, la technologie de l'ascenseur. Quelle belle invention. Et là, normalement, du coup, j'ai le temps de me balader, d'apprécier le paysage, sans que je me fasse bouffer les orteils. Quoi? Quoi, tu dis? Ils reviennent? Ils reviennent? Putain, ça me fait peur à chaque fois. Oui, ils reviennent. Oui, ils reviennent. Ah, ils reviennent plus. Vas-y, mange-moi les pieds, alors, sale bête. Je suis sur du bois, tu ne pourras pas. Hop. Ouais. Ok, là, faut que je fasse quoi, moi? Faut que j'accroche le bidule? Faut que je fasse quoi? Ça clignote. Je peux pas l'attraper. Ah, j'ai compris. Faut que je trouve peut-être une torche dans le feu, quelque chose. Non. Faut que je brûle. Faut que je fasse quoi avec ce bout là? Faut que je fasse quelque chose avec ce bout. J'arrive à trouver comment faire. Est-ce qu'il n'y a pas une torche quelque part? Un truc qui traîne par terre? Ah si. Putain, ils sont vifs, hein. Ils sont vifs, les bestiaux. Alors, est-ce que c'est comme dans tous les jeux, la flamme, elle a une durée de vie en mode, elle dure 10 secondes, ou est-ce que c'est comme un truc un peu réaliste et elle tient comme une vraie torche, quoi. Genre des heures. À mon avis, on va plus être sur une dynamique de jeu vidéo un peu... Ouais, t'en as pour 10 secondes, tu te dépêches, sinon ça marche pas. Ok. Ça va faire un gigaboom, ça. Oh, yes. Allez, chier. C'est le moment où jamais de courir, ma belle. Si tu veux pas te faire bouffer les orteils. Allez, nickel. Première step. Et avant qu'ils ne reviennent, les deux barres de revenir. C'est plutôt cool. Petit machin là qui vient te ronger les doigts de pied. Petite sale bête. Je sais même pas où je me promène. Où est-ce qu'on va? Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Un caillou. Vite, un caillou. Genre, vite. Un putain de caillou. Ah, c'est un rat des neiges. Qu'est-ce que c'est? Un rat avec des pattes de phoque. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? What the fuck? C'est un rat phoque des neiges. Vous pouvez l'ajouter à votre bestiaire dans les eaux. Bizarre. Mais pourquoi pas? Le tronc d'armure va se retourner. Ça passe. À chaque fois, ça me fout en stress, c'est ça, c'est ces conneries là. C'est terrible. Ouais. Alors, faut que je fasse quoi? Faut que je fasse tomber du haut du bordel. Très bien. Faire un groupe boing. Ça fait pas de bruit quand je marche dessus. Ça ne fait pas de bruit quand je marche dessus. Voilà qui est bien dommage. Mon dieu, j'ai failli me suicider.
moi ça. Vas-y. Allez. On avance et on tombe. Oh. Ah putain, il y en a plein. Il y en a vraiment plein dans ces bestioles. C'est quand même sacrément une saloperie. Oh, j'ai oublié de descendre à pied là, à la main. Je peux pas réactiver le biniou. Oh, sérieux. Bon, tant pis. On descend à la main, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Aïe, 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 c'est bon. C'est pas bien grave. Hein. Ok. Et on se déplace. Et on fait vite avant qu'ils reviennent. Faut que la musique, des fois, qui part en couille complètement comme ça, mode gratos. Tu dis putain. Oui, c'est beau. Contemplatif même. C'est pas une raison pour partir en steak. Non. Je peux pas aller assez vite là. Ils vont me bouffer, en fait, basiquement. Putain, vas-y, dépêche-toi. Poupiloupilou. Tous goupilles. Oh, j'ai fait trop court. Et merde. Ah, forcément. Tu tombes, tu meurs. Normal. Seems logic. Allez, on continue. On va essayer. Parfait. C'est pas la peine de s'éclater la tronche comme ça, madame. Ouais. What is this? J'avoue que j'ai pas forcément compris quel était le fuc. Oh non. Oh non, il y a de ces saloperies à de gollum bizarre là. Sale bête. Oh putain, mais... Il y a les deux là, c'est ça? Il y a les goulous, mais... Attends, tu peux tirer cette caisse, s'il te plaît, Micheline? Merci. Et les gollums chelous plus les trucs dans la neige. C'est pas bon ça. C'est dangereux pour mes fesses tout ça. Ok. Allez, ciao. Non, attends en fait, s'il te plaît. J'aimerais bien monter à bord. Ne dis pas qu'il va me voir. Ne dis pas qu'il m'a vu. Ah non, il m'a eu. Dommage. Oh, en fait, il m'a détecté dès que le truc a bougé. Donc, faut que d'abord que je le ramène chez moi. Et après. Ouais, là, il m'a détecté. Là, je suis mort. Donc, là, je le renvoie de l'autre sens. Et je pars avec. Oh, on est encore dans le monde de ces saloperies. Je l'aime pas ce monde. Oh putain, on a carrément un rocher dédié à eux quoi. Ah, c'est leur village! Ils ont évolué depuis la forêt. C'est pas forcément rassurant. Oh putain, ça va où? En bas, en haut? Oh mon dieu, il y en a dans une cage. Non, c'est un animal des rats. Ah ouais, d'accord. Non, attends, dans l'autre sens. Dans l'autre sens?
J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu me fais? Je sais pas à comprendre. Si, je pense qu'il faut monter tout à fond pour lâcher le truc, comme ça. Il part dans la neige et il bute celui qui est là. Et moi, je peux lui échapper parce que je cours plus vite que lui dans la neige. Et... genre... coucou. Et là, il va le bouffer. Yes. Oh. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ça m'intéresse. Ça me plaît, ça me plaît. Va juste voir les yeux, va juste voir l'éviter nous quoi. Parce que nous aussi on peut se faire bouffer. Malgré tout. Ah je suis pas sur le bois là, t'es sérieux? Sérieux, bon bah je cours tout le long alors écoute. Je pensais que j'étais sur la planche de bois, que j'étais safe, mais visiblement. Dommage. Ça. Ah. Arrête-toi de tourner. Arrête-toi de tourner. Oh, il ressemble aux aliens de Signs. C'est marrant. Est-ce qu'il part ou est-ce qu'il revient? Il revient. Mais lâche ton rôti! Nickel. Non, pas sans moi! Ah le bâtard. Ah, redescends s'il te plaît en fait. Bon, c'est mort. Putain. Sérieux? Non, c'est bon. J'ai rien dit. Là-bas. Ok. Ok. Ouais, il saute au-dessus du vide qu'elle fait quand même. Elle a des couilles, hein. Ok, c'est cool. On continue. Ah, encore un caillou. Qu'est-ce qu'il représente celui-là? Deux têtes opposées. J'avoue, ça va pas forcément faire le lien là. Mais t'es complètement conne toi, tu l'as attiré chez toi. Oh mon dieu, il m'a vu? Non. Oh putain.
Mais je peux pas passer là, en fait. Si? Non, je peux. Je vais mourir. Putain, j'ai compris. Faut que je ramène la boîte et que je me balade sur la boîte. C'est ça? Il est plus là? Il est plus là. Non, c'est pas ça, je comprends pas. Oh, je suis débile. Oh non, faut que je refasse tout le truc. Chier. Donc. Voilà. Ok, parfait. On se planque, mon gars. Juste ici. Je redescends et pars à gauche. Très bien. Et nous, on reprend notre boîte. Parce que j'ai... Ou alors, faut que j'aille par là-bas. J'ai pas fait gaffe, en fait. Si ça se trouve, faut que je tourne à droite. Enfin, à gauche. Genre, c'est par là-bas, la route, si ça se trouve. Mais par contre, je dois avoir, à mon avis, je dois clairement avoir le temps de genre faire ça et yes, m'accrocher. C'était le tips. C'était le défi. Ok, on continue. Ah, il faut serrer des neiges bizarres là. J'ai deux trucs à faire. Ça fait quoi ça? Très bien. Donc il faut peut-être d'abord que je... Autre sens. Je suis con quoi. Ah. Non, j'ai rien dit. J'ai compris. Tac. Ensuite là. Tac. Ensuite là. Tac. Tac. On va y arriver. Et tac. Et là, c'est... Yes. Parfait. Et là, Marguerite, tu commences à courir pour pas te faire bouffer les orteils. Faut que je fasse, pas ça. Vas-y, va, mange-moi. J'ai pas très bien compris. Genre,
Attends, oh. Non, j'ai compris. C'est bon, c'est le temps que ça monte au cerveau. Genre là, pouf, c'est ça, et après tu pars par en bas. Nickel. Tu peux juste, merci, passer devant. Voilà. Parfait. Et lâche-le. Alors, si tu pouvais aller un peu plus vite, s'il te plaît, Géraldine, ça m'arrangerait. Merci, avant que je ne meure. Ça passe, ça se tient, ça se tient. C'est limite, mais ça se tient. Je suis pas sûr que c'est pas vrai qu'il fallait que je passe, mais... Ça m'a l'air moins dangereux. Pourquoi? Je crois qu'il y avait un truc à faire en bas quand même. Ouais, il y a un truc à faire. Bon, bah je repasse par en bas. Malheureusement. Enfin. Moi, il n'y a pas de truc à faire. Bah, déjà, je suis mort. Parfait. J'ai pas compris. Peut-être qu'il faut que je saute dans le. Je sais pas. Oh. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une clé, ok. D'accord, très bien. Tu peux la mettre la clé dans le... Non, tu veux pas? S'il te plaît. Alors. Pourquoi tu fais la gueule? Mais donc ce truc dans le rond là, c'est à ça que ça sert, non? Au moins que ce soit un truc plus loin. Ah non, j'ai compris. C'était à mettre dans le réacteur. Des fois, hein. Tout ne fait pas sens. Ok, ok. Même si au final ça fait du sens, mais... Bah par contre, merci. Ce serait plutôt pratique en fait, si tu voulais bien t'accrocher. Ah ça tient, nickel. Ah la musique. C'est bon, je re-kiffe nouveau. Là je suis en train de... Ça devient Assassin's Creed. Oh merde, on est niveau dehors. Avec avec encore ces bestioles là. Bon alors lui il m'a vu de loin je crois. Je sais pas. On dirait. Ok. Chut, s'il faut que je rentre dedans en fait. Si, c'est totalement ce qu'il faut que je fasse. Lolololo. Vas-y, ferme la porte. Ferme la porte avant qu'il rentre. Non, ferme la porte. J'aurais dû fermer la porte.
Si. Oh non! Mais qu'est-ce que... Hein? Quoi? Fallait que je fasse quoi? Parce que, ok, on ferme la porte, mais après... Mais ferme-la, cette putain de porte! Mais tu te fous de ma gueule? Oh, ouvre la porte. Yes. Ok, bon, ça, ça tient plus. Et après. Oh merde, j'ai pas fait gaffe. J'étais en train de regarder mon écran. Enfin, ma cam. Enfin, mon OBS, putain, je sais plus parler. Mais attends, parce que là, lui il va mourir. Mais après, il y a ça qui part. Ah, ok, ça, on s'accroche. Ok. Secours. Là, j'ai loupé le trou. C'est l'ascenseur. Ok. C'est fou comment avec rien les mecs ça va te foutre une pression. Oh. Oh. C'est super stylé ici. C'est grave beau. Les espèces d'Atlante un peu bizarres, on sait pas trop ce que c'est. Comme là où j'étais dans les catacombes tout à l'heure. C'est plutôt stylé. Vas-y. Ouais. C'est vraiment stylé ce jeu. Sans deck, c'est vraiment prenant de ouf. Bah. Mais quand même, j'allais dire. Oh, c'est pas celle qui m'a sauvé la vie avant ça? De ces créatures bizarres là? Peut-être qu'ils vivent ici? Tout ceci m'intrigue. Chaise à la cour. Ok. Tiens, c'est une de ces torches. Je peux m'en prendre une. Genre, je la fous dans le feu. Ouh. Quoi? Hein? Quoi? C'est les chauves-souris qui m'ont tué maintenant? Ce délire. Ah ouais, elles sont devant, j'avais pas vu, on les a réveillées. Oups. Et là en fait on attend. Et maintenant on y va. Ouais, je suis pas malin aussi. Royaume des oiseaux, des chaussures. Pourquoi ça ne passe pas, mais d'accord. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont attaqué? Attendez, j'ai peut-être une idée. Ils aiment pas la lumière, visiblement. Donc
Donc ce que je vais faire... Voilà. On va partir avec une lumière. Oh, ça marche, yes. J'avais quand même quelques doutes, j'avoue. Mais ça a l'air de fonctionner, donc c'est cool. On va voir jusqu'où je peux aller comme ça. Ok. Ok. Vas-y, au feu. Je suis en train d'activer les torches olympiques. Incroyable. Merde, mais il me faut du feu là. Ah non. C'est bon. J'ai un caillou. Le caillou équivaut au feu. Et là, il y a un bidule à activer. Eh bien, activons. Activons le bidule. Ah, sympa, les mecs ils ont prévu des stores et tout. N'importe quoi. Ouais. Oh. D'accord, la meuf elle vole des cristaux, rien à foutre. Cristaux que je peux... Je fais quoi moi après avec ce cristal? En fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fous du cristal que j'ai ramassé? Je remets à sa place. Disons que je remets à sa place. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Ah, rien. Pas bien. Là, il y a un truc à faire, non? Non. Parfait. Mets ce cristal ici parce qu'il a l'air de faire marcher le truc. Peut-être qu'il faut que je récupère un truc là-bas. Peut-être un truc à récupérer ici. Peut-être une torche, un cristal, je sais pas. Non, par contre, il faut que je mette le cristal ici, visiblement, parce qu'il est pas alimenté, pour faire redescendre la flamme. Sauf que je peux pas sortir. J'ai compris. Je crois. On va mettre le rocher sous la porte, comme ça, quand la porte descendrait, moi, je pourrais passer accroupi. Voire même debout, en fait, vu la taille du rocher. Yes. Tous les coups, c'est ça. Allez voir. Et y'a... Bon, le caillou, là, je sais quand même toujours pas à quoi il sert, mais... Du coup, on va alimenter l'autre machin avec le cristal. Je sais pas ce que ça fera, mais ça le fera. Puis après, on verra. Je sais pas du tout... Je sais pas du tout ça va nous mener, cette histoire. Putain, par contre, s'il faut faire 3 bornes à chaque fois, on va pas y arriver. Yes. Et du coup, là, je peux faire... Ok. Faut se mettre dans le cercle. Non, je sais pas. Je sais pas. Bon, visiblement, soit par là, hein. À moins que... Ok... Là, on rallume le cristal ici. Ça ouvre la porte. Et merde, ça ouvre aussi ça. Donc je peux plus faire demi-tour. Ok, on avance. Tout se fait, tout se fait. Tout se fait.
peux le lâcher, oui, s'il te plaît. Ah, faut avancer avec, ok. Pas con. Magique alimente quand même la porte, donc je peux encore enlever le cristal et aller faire un autre truc. Donc je suis pas sûr de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Peut-être que je prenne le feu. Il faut que je prenne le feu pour pouvoir traverser en fait. Après, là, je me rends de l'autre côté encore. Yes, et là j'allume le feu. Ça fait quoi celui-là? Ça m'ouvre la porte? Ok, ça m'ouvre la porte. Ok, je vois. Je vois le délire. Tac, 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 hop. Ça marche. Ouais, c'est sympa, hein. Moi j'aime bien. Et on rentre dans un sanctuaire. Très bien. Notre créateur peut-être. Je sais pas. Oula. Non, ça n'a pas l'air d'être un sanctuaire du créateur. Ça a l'air d'être un temple maudit où on va crever. Toutes les deux secondes. En tout cas, ça en a tout l'air. Est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille voir ou pas? Un aviariste, je vais devoir me taper un aller-retour plus tard. J'ai alimenté quoi? Bah rien. Ok, super, merci. Ces gens-là bizarres avec du feu bleu qui m'ont réanimé tout à l'heure. Je le sens pas. Ça a l'air d'être des... Ouais. Une secte? Je sais pas. En tout cas, déjà... Oula. Ça ressemble à une fange. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Il s'agenouille? Quoi? Mais attends. Faire écraser. Non, c'est bon. Putain, mais quel con. Ah, par contre, là, je suis écrasé. Ah, bah bravo. Le mec, t'as tout un truc de moine et tout qui l'acclame, qui le vénère, et là, il fait non, je tombe. Écrabouillé. Bravo. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Faut que je fasse des dessins, c'est ça? Ça a l'air d'être quand même la fin, hein. Mais c'est quoi cette civilisation chelou qui m'a vénéré comme un dieu là quand j'arrive? C'est très bizarre. Fuck, attends, faut que je comprenne. Non, tourne, il faut que je mette vers le bas visiblement. Attends, non. Si. Attends, non. Non, faut que j'inverse parce que à tous les coups, le dernier cercle il peut pas être bougé. Donc, ça je vais faire en V. J'aurais dû commencer de l'autre côté en fait, mais c'est pas grave. Je vais faire ça derrière, ce sera plus simple.
faire de l'extérieur du cercle vers l'intérieur, parce que je fais n'importe quoi. Alors, voilà. Ok, maintenant. Bah du coup, mon truc est bien placé, il faut juste que je fasse le dernier au milieu. Même si je sais toujours pas ce qui va se passer. C'est quoi, c'est un triangle Illuminati, c'est ça? C'est on va me révéler qu'en fait, je suis le dieu des Illuminati. Fin du monde. Okay. C'est le Bifrost, ça, je reconnais. C'est le pouvoir arc-en-ciel de d'Asgard. Donc je dois probablement être mort. Qu'est-ce que c'est, quoi, ce truc? What? D'accord, donc même dans ce monde-là, tu te fais tuer par des trucs qui te scannent. Des triangles inversés. Parfait. Je vais attendre qu'il se cogne et que j'aurai besoin. Ouais, je vais repartir après. C'est très spécial. J'adore, mais c'est très spécial. Genre, ça, c'est quoi? Faut que je prenne? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là encore? Des trucs qui se créent. Oh là, je comprends rien. Là, je commence à être vraiment dans un trip ésotérique bizarre où je comprends plus rien. Oh, il va me scanner. Cours. Non, c'est bon. Ça ne me scanne pas. S'il va me scanner, il va redescendre. Je savais. Ah, c'est bon. Est-ce que je peux passer, monsieur le triangle? S'il vous plaît. Mec, sérieux? On peut passer, là? Tu vas rester bloqué dessus longtemps là ou... Oui, sûrement. Ah, je peux le traverser? Mais pourquoi ça m'a tué avant? Bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hop. C'est bon. Oh merde! Oh. Ok, j'ai compris. Je vais rester là-dessus, j'attends qu'il me scanne. Tu peux venir me scanner. Il revient. Ouais, et après je fais quoi? Ah, faut que j'aille dessus. Voilà. Après il m'emmène de l'autre côté. Très bien. Putain, j'ai été vénéré par des gens habillés. En fait, c'était pas des gens, c'était des... Comment t'appelles ça? Putain, dans Star Wars, les petits bonhommes en capuchon, là. T'es Jawa. Il voulait ma ferraille, en fait. C'est pour ça qu'il me vénérait. Oh, putain. Alors, attends. Ah, yes, je vois le délire. Parfait. Hop. Mais ça m'a pas m'aider, en fait. Ça m'a pas m'aider du tout. Ok, si. Si, ça m'aide un peu. Il est plus... Oh, c'est quoi, c'est une porte? On va se finir matrixé dans ce délire. C'est très très beau. J'adore. L'univers est vraiment stylé en fait. L'univers qui est créé. Ok. Très bien. Bah et maintenant?
je peux rien faire en fait. Du coup. Oh. Si je peux. Si je peux. Ah non, j'étais bon, zut. Regarde. Il y avait un bloc. Je devrais sans doute pouvoir le déplacer. Ouais, je peux. Là, je suis un peu à la pesanteur en fait, je viens de capter. Putain, je suis dans l'au-delà, je suis dans un univers parallèle. Je sais pas, c'est trop stylé, je sais pas où je suis. Ok, on continue. Alors, est-ce que le son d'apesanteur passe? Oh putain, ouais, grave, trop bien. Oh, il y a un style qui est vraiment cool. Je pense qu'on est pas loin de la fin. En vrai, on va peut-être enfin comprendre. Ou pas d'ailleurs, parce que ça laissait une fin ouverte. Mais une fin en tout cas de ce petit voyage qui est clairement très 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 cool. Très space, mais au début en vrai c'était vachement flippant. C'est une espèce de connerie là, mais au final c'était plutôt cool. Par contre, pourquoi est-ce qu'il y a une plateforme verte? Ça fait un truc. Ah, je vois. Hop! Putain! Non, accroche-toi! Putain, il veut pas. Ok, si c'est bon. Ok, et donc là j'ai déjà accès à un autre truc. Oula. Un nouveau pattern. Ouais, mais lui il a le truc en dessous, sauf qu'il y a que celui dessus que je peux activer. On va l'activer, hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça a l'air compliqué. What? Ok, MG. Tac. Je suis. Bah non. Ah, t'es sérieux? T'y as pas accès là? Ah. On va activer celui-là en dessous alors. Je comprends, j'ai plus rien. Ça, c'est de là d'où je viens, je crois. Je vais mettre un coup à droite. Ah, d'accord, non, je suis dans tout gauche, ça change rien, ok. Ça change rien, c'est déjà bon à savoir. Il s'accroche, lui. Je peux le toucher, c'est que je peux l'accrocher.
Allez, fais comme t'as pu. Ah, ça va me rendre dingue. Parce que c'est forcément lui. À moins que... Ah, attendez. Non, l'autre, il avait une plateforme verte. C'est peut-être que je pouvais bouger un truc. Je crois qu'il y a une plateforme verte sur l'autre. Non. Oh, c'est pas vrai. Si, une plateforme verte. Mais elle sert à rien. Ça, c'était la plateforme du début. Donc, ça, faut le faire comme ça. Là, je vais bouger celui-là, du coup. Puis là, ça part sur ça. Et en fait, c'est là que j'ai monté un étage. Parce que je suis pas monté avant. Oups. C'est là que je peux continuer, c'est ça. C'est ça, c'est ça. S'il te plaît. Mec. Merci. C'est ça. Ok. Ok. Et là, normalement lui. Et il retourne encore un autre truc. Ah mais du coup j'ai accès aux deux d'ici qu'il faut que j'avais pas accès avant. C'était les deux de tout à l'heure. Et lui, il va me retourner celui-là du coup. Il va même pas tout, il va pas me ramener, il va juste tout me retourner en fait, tout court. Non, je vais me faire scanner, il faut que je vous dépêche. Je crois que je monte dessus. Il faut que je monte dessus, sinon je fais des crapauds. Je suis en train de créer un monolithe, qu'est-ce qui se passe? C'est un genre de Tetris. Ah, faut pas que je me plante.
pas que je me plante. Ok. Oh mon dieu. C'est trop stylé, mais je comprends rien. Yes. Ok, donc là, faut calculer un ordre, faut faire quoi? Ok. Donc lui, il tourne. Je remonte. Ok. Ah, donc le prochain à bouger, ce serait... Je vais me faire écrabouiller là. En fait, non, c'est bon. Ok, le prochain level il va tourner, tu vas suite en bas. Dans un monde qui est brisé. C'est peut-être pas la fin. Curieux. On va voir où ça nous mène. Tout a été anéanti, on dirait une espèce de néant. Genre de... Je sais pas... De vide. Ou l'enfer. Est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est, pourquoi, mais je me laisse transporter par le, je me laisse juste transporter en fait, et c'est juste incroyable en fait, c'est juste trop bien.
Ah bah, putain, c'était des hommes à la base. Ils ont trop pris le soleil et sont devenus cette espèce de créature. J'essaie de comprendre en fait. Mais visiblement, c'est ce qu'on pourrait croire. Ah oui. On dirait bien qu'une civilisation déchue s'est transformée en une espèce de. Et une fille de lumière au-dessus de la terre dans une porte. C'est nous ça? C'est nous, c'est totalement nous. Ah d'accord, qu'il passait par tous les dangers. Que tous les dangers observent. On voit les tentacules, le scarabée, la tête de dragon et les deux créatures. On est devenu leur divinité. On a leur rédemption pour tous les autres êtres humains. D'accord, on est devenu la mort, en gros. On a traversé tout ça, on a fait péter la planète et on est devenu la mort. Ah putain, mais c'était génial! Incroyable! Petit jeu, de bonnes heures, ouais. Franchement, grave cool. Juste un peu baissé le truc. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a regardé tout le long, ou s'il a eu des pauses, mais franchement, ok. Sympa, sympathique. J'ai pas compris. En gros, depuis le début, t'étais pas là depuis le début aussi. Mais en gros, on a traversé plusieurs tableaux. D'abord, une espèce d'ancienne cité médiévale. Ou une espèce de... Je pense les scarabées et les insectes en forme de nuée, genre représentaient la peste parce qu'il n'y avait rien de vivant. Ça te tuait en mode nuée. Puis après on est tombé sur des hommes, plus comme des espèces de créatures mi-mortes mais humaines, qui vivaient dans la forêt puis se sont fait attaquer. Tout a brûlé. Puis du coup c'est devenu un monde de glace. Je crois qu'en fait on a traversé différentes périodes pour au final devenir la mort. Parce qu'on a traversé toutes les phases de l'histoire jusqu'à transcender justement du coup la réalité dans cette espèce de faille dimensionnelle chelou pour finalement devenir en fait ce qui est au-dessus de tout ça. Et ce qui est au-dessus de tout ça du coup bah c'était la mort, parce qu'à chaque fois elle nous tournait autour. Parce qu'on est mort plusieurs fois, il y a des pièges, il y avait les créatures, il y avait les événements qui faisaient qu'on mourait. On a réussi à passer au-delà. Même le poulpe géant là de Khazad-dûm. Je sais pas. En tout cas c'était sympa, très beau. Mais, waouh, particulier. Vraiment stylé. Ouais. Les écrans blancs. Ah, c'est pas fini. Donc ça, c'est notre caillou. En fait, 2001, l'Odyssée de l'espace. Concrètement, il y a des monolithes de partout, tu comprends pas. T'es à moitié perché sur la fin, tu fais « Ah, c'est sympa, c'est beau. » Mais j'ai pas compris. En fait, c'est 2001. C'est 2001, le jeu. En moins chiant. Et qui dure tout aussi longtemps, à peu près 2h, 2h30. Non, c'était grave cool. C'était grave sympa. Ah, j'ai bien aimé. Prochain jeu que j'ai, c'est un jeu un peu moins sympatoche. C'est... pareil, un jeu un peu enquête, un jeu narratif, enquête,
où en gros on joue une femme qui à l'époque vivait dans un chalet, enfin était dans un chalet, un ancien hôtel, avec son père et sa mère. Son père a une aventure avec une jeune fille de son âge à l'époque. MDR The Remake, tu m'étonnes. Mais le prochain jeu que j'ai, c'est un jeu d'enquête sur une fille qui s'est suicidée parce qu'elle était enceinte de ton père. Un jeu qui mélange horreur psychologique, thriller d'action, un peu à la Seven, un truc comme ça. Il a l'air sympa. Et lui, il se finit plutôt en 5-6 heures, apparemment. Donc, je pense que je ferai 2 ou 3 lives. Mais c'est le prochain jeu sur la liste à tester. Que je suis bien curieux de tester. Ça s'appelle The Suicide of Rachel Foster. The English Accent. Mais yes, c'est cool. J'ai bien aimé. J'ai grave kiffé. Mais du coup, bah, sur ce, je vais vous dire une bonne fin de soirée. Moi, je vais peut-être aller me coucher ou me lire un bouquin, je sais pas. En vrai, je me tâte. Grande question. Je me tâte à faire des lives genre à minuit, 1h du mat, quand j'arrive pas à dormir là pendant le confinement, où je lis des nouvelles ou des chapitres d'un bouquin, d'un roman, d'un truc. Je me demande si ça pourrait le faire ou pas. Genre en mode live de l'insomnie, pour endormir ceux qui arrivent pas à dormir, tu sais. Je sais pas, je me tâte à faire un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. J'ai pas un micro de ouf, mais ça pourrait faire le taf. Faudrait que je regarde. Ah, les câbles qui partent. Propre. J'ai pas tout vu, mais c'était beau. Bah, la rediff est dispo sur ma chaîne Twitch et sur mon YouTube qui est dans les liens en bas. YouTube, ce sera demain, je pense que je le mettrai dessus. Mais ce sera dispo. En plus, c'est cool parce qu'il y avait des énigmes et ça mélangeait plusieurs styles de jeu. Plateforme, énigme. Puis atmosphérique, c'était sympa. En vrai, c'était sympa. J'ai bien aimé. Une belle petite découverte. Fort sympathique. Avec la lampe d'ambiance qui m'éclairait le côté gauche. Attends, je sais pas si on peut. Attends, je sais pas si on peut voir. Voilà. Une lampe chat. Qui fait des lumières. Genre rose, violet, mais ça se voit pas trop qu'elle change de couleur. On voit pas trop, mais voilà. Sur ce, bonne fin de soirée. Et puis, bah, une prochaine fois. Probablement demain, je pense. Demain soir. Demain après-midi, peut-être. Demain après-midi, peut-être, je fais un peu de Seigneur des Anneaux. Puis demain soir, peut-être un autre live détente. Enfin, pas trop détente, du coup, demain, plutôt enquête. On va se foutre un peu dans un mood bien plus sombre et dark, mais ça peut être sympa. Au revoir. Et à bientôt.